Bienvenue au Mans sur le grand circuit des 24 heures pour la 4e édition du Mans Classique. Contrairement à ce que peuvent laisser penser ces images, nous ne sommes pas dans les années 50 mais bien en 2008, les 12 et 13 juillet dernier. Véritable institution aujourd'hui, le Mans Classique n'existe pourtant que depuis 2002 et se déroule tous les deux ans. Départ type Le Mans, grand circuit, 24 heures non-stop de compétition, changement de pilote obligatoire, tout est réuni pour faire revivre 80 ans d'histoire du sport automobile. Pour preuve, 1000 pilotes venus du monde entier, y compris du Japon, se partageaient le volant de 400 voitures d'exception. Parmi eux, une quarantaine de pilotes ayant couru les 24 heures du Mans, dont Henri Pescarolo, Gérard Larrousse, Jürgen Barth ou bien encore Pedro Lamy. D'autres découvraient les épreuves d'endurance sur circuit, à l'image de Patrick Zaniroli, plutôt habitué des déserts africains. Malheureusement pour lui, des problèmes de surchauffe le contraindront à abdiquer dès la première manche. Pour permettre aux 400 équipages de participer dans de bonnes conditions et pour préserver les mécaniques, les voitures sont en effet réparties en 6 plateaux d'une soixantaine d'autos chacun. Les plateaux sont constitués par année, chaque plateau dispute 3 manches. Évidemment, tous les types d'auto-participants ont déjà couru au Mans entre 1923 et 1979. Le premier plateau réunit ainsi les voitures de 1923 à 1939. Bugatti, Bentley, Delage et autres Amilcar s'y affrontaient. Dans le plateau 2 de 1949 à 1956, notons la présence d'une magnifique Fiat 1500 spéciale de 1950. À ses côtés, deux très belles Maserati A6 GCS de 1954, de nombreuses autres Maserati et des Lancia Aurelia B20. Ambiance à bord de celle de Michel Pessegnini de 1956. Si vous avez l'impression que la voiture est à la parade, détrompez-vous. À près de 180 km/h dans la ligne droite des Hunaudières, cette Lancia n'est pas épargnée. Plus on monte en année, plus la vitesse augmente sur la piste. Le plateau 3 regroupe ainsi les autos des années 1957 à 61. Parmi elles, de nombreuses Ferrari, dont une 246 S de 1960, une 196 SP de 1961 et trois 250 GT châssis court ex-Le Mans. Les Alfa Romeo n'étaient pas en reste avec de magnifiques SZT de 1961 et SVZ de 1957. Mais passons au plateau 4, ici côté italienne, c'est l'unique Ferrari 250 GT Bread Van qui éclipsait ses concurrentes des années 62 à 65. Œuvre de Giotto Bizzarini, le concepteur de la GTO, et de Piero Drogo, elle ne sera pas ménagée non plus, allant même jusqu'à la touchette. Encore plus malchanceuse, la Ferrari 250 LM de l'américain Reed qui fera une sortie fatidique. Pendant ce temps, en piste, les 250 GTO et 275 GTB continuaient à se disputer avec les Alfa Romeo TZ2, Ford GT40 et autres AC Cobra. <t'en>
Durant la nuit, si l'ambiance faiblit un peu dans les tribunes, ce n'est pas le cas sur la piste, et encore moins dans les paddocks et les stands où chacun prépare la manche suivante avec fébrilité. Au petit matin, la beauté des sons des moteurs s'allie à l'odeur des gommes fondues, des freins surchauffés et aux couleurs du jour qui se lève pour graver en chaque spectateur et en chaque participant un souvenir inoubliable. Le plateau 5 est alors à l'œuvre avec ses bêtes de course des années 66 à 71. Parmi elles, encore de nombreuses Ferrari 330 P3, 512S, Tino 246 GT ou 365 GTB4. Des 365 GTB4 qui fêtaient d'ailleurs leurs 40 ans. Côté Alfa Romeo, 33 et T33-2 animaient également la meute. Les années 72 à 79 se retrouvaient dans le 6e et dernier plateau. Beaucoup de BMW et de Porsche, mais aussi de très belles Ferrari 512 BBLM de 1978 et 79. Et pendant que les pilotes s'affrontaient en piste, les spectateurs pouvaient s'approcher au plus près des concurrents des autres plateaux, à la fois dans les stands et sur la pré-grille ouverte au public. Les clubs étaient aussi de la partie puisque 6500 voitures de clubs étaient venues remplir les pelouses du circuit, représentant plus de 200 clubs. Le club Ferrari en profitait pour célébrer ses 40 ans. Les nombreuses autres animations organisées durant le Mans Classic 2008 auront fini de passionner les 80 000 spectateurs présents dans la Sarthe. Avec ce nouveau succès, le Mans Classic devient le plus grand événement d'automobile ancienne en France et l'un des plus importants du monde. Vous êtes prévenus, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à inscrire dans votre agenda en juillet 2010, date de la prochaine édition.